Bonsoir, bonsoir. Voilà au bout de 3 journées. Chacun repartira avec des impressions, des réflexions. Moi, ce que j'ai senti pendant ces 3 journées, c'est beaucoup de gens qui ont parlé comme ils n'avaient jamais parlé ou peu, qui parlent même en public de choses dont ils ne parlent pas en privé. C'est-à-dire qu'il y avait des ondes spéciales, et ce n'est pas la première fois que ça arrive que les gens préfèrent parler directement à des gens inconnus, on va dire. Ils se confient parfois plus facilement qu'aux gens qui leur sont proches. Et j'ai vu ça plusieurs fois pendant ces 3 jours. Il se trouve que je connais personnellement quelques-unes et quelques-uns d'entre eux, et j'ai remarqué ça, et ce n'est pas la première fois. Et ça, c'est dû à une atmosphère. Il y avait une atmosphère que les auteurs ont ressentie. Ils partent tous en ayant connu des gens, en ayant eu des conversations avec vous pendant les signatures. Ils ont eu l'impression de vivre avec des gens réels. Je citais tout à l'heure l'Ukrainienne qui était là et qui dit, voilà, depuis le temps que je parle de l'Ukraine, j'ai eu 2 jours de bonheur ici à Pau. Voilà, il s'est passé ce genre de choses-là. Et c'est bien. J'ai l'impression que j'ai l'espérance que vous avez la même impression, que vous êtes rentré dans des schémas de pensée que vous n'imaginez pas, peut-être, et qui vont suivre. Vous savez, ce genre de rencontre, ça ne dure pas 2 jours, ni 2 jours et demi. Ça dure des mois. Des mois après, vous allez repenser à des phrases qui ont été dites, vous allez lire certains livres autrement. Ça dure des mois, parfois des années. D'un coup, ah, je me souviens qu'il y avait quelque chose qui m'avait intéressé ce jour-là et j'y repense. C'est ça qui change un peu la vie souvent, et comme le titre le dit, il donne envie de vivre parfois. Voilà, j'espère que vous ressentez la même chose et que vous garderez un souvenir intéressant et ému de certains moments de ces 3 jours. Alors, nous allons recevoir donc le dernier invité, qui est François Hesbourg. Alors, je vais vous dire, dans ma vie, j'ai été journaliste pendant 30 ans, 3 décennies. 7 ans au Liban, pendant la guerre, et ensuite, j'ai été journaliste politique pendant presque 20 ans. Et j'ai toujours affronté un problème. Comment arriver à connaître la vérité ? Alors donc, j'ai rencontré des gens dont je savais qu'ils savaient, mais qui ne voulaient pas parler. Et donc c'était très difficile, il a fallu établir un lien de confiance long avant d'arriver à obtenir des gens qui savent qu'ils parlent. Et puis, en même temps, pendant les mêmes mois et les mêmes années, beaucoup de gens voulaient parler. Vérification faite, souvent ces gens qui parlaient beaucoup et qui voulaient beaucoup parler ne savaient pas grand-chose. Ou inventaient des choses pour qu'on croie qu'ils savaient des choses que personne d'autre ne savait. Voilà. Donc, avec l'expérience, on fait un petit tri. Et on se rend compte qu'effectivement, les gens qui savent vraiment, qui connaissent où les décisions sont prises, comment elles sont prises, qui est important, qui ne l'est pas, qui est décisive, qui ne l'est pas. Ça prend du temps, et ces gens-là, ils n'ont pas envie de trop parler, parce que souvent, ils sont en responsabilité, et qu'ils considèrent que certaines choses très fragiles, certains équilibres, dépendent du fait qu'ils soient connus ou pas connus. Et c'est vrai qu'ils ont la responsabilité, parfois, une obligation de silence, parce qu'ils savent que des choses se passent, ils savent ce dont on parle, mais ils considèrent que si les tout le monde était au courant de ce qu'il disait, de ce qui se disait, ça nuirait peut-être au bon fonctionnement et à l'aboutissement de certains accords. Alors, avec François Hesbourg, nous avons la catégorie la plus rare. Il sait beaucoup de choses, il participe à beaucoup de choses, il connaît plus de monde que beaucoup d'intervenants qu'on entend depuis des mois sur ce qui se passe en Ukraine et ailleurs. Et
il a le sentiment que c'est son devoir de le dire au public. En tout cas, le maximum de ce qu'on peut dire. Et vous allez l'entendre, puisqu'on va le recevoir tout de suite. Merci. Bonsoir, François Hesbourg. Merci d'avoir pris du temps. Il était avant-hier à Taïwan. Il est parvenu pour Pau, mais il est à peine couché. Il a pris le premier moyen de déplacement pour venir à Pau. Non, je ne m'étais pas couché avant. Vous n'étiez pas couché avant ? Ah non, je suis arrivé hier. Directement de Taïwan ? Oui. Ah, je croyais que vous y avez un jour. Avec, avec 3 heures d'arrêt à Paris. Bon. Pour une fois, c'est moi qui mentais et lui qui dit la vérité derrière. C'est bien en contradiction avec ce que je disais avant, mais peu importe. Alors, d'abord, François Hesbourg, merci beaucoup d'être là. Et juste un mot sur la réflexion que je faisais sur les gens qui savent, qui ne parlent pas tous, parlent très peu. Et ceux qui parlent et qui savent moins de choses, mais ils veulent faire croire qu'ils savent. Vous avez connu ça, j'imagine, tout le temps. Oui, je ne saurais démentir ces propos. Mais il y a une chose qui aide beaucoup, et ça vient d'une maladie très particulière. Cette maladie s'appelle l'âge. Et avec l'âge, on acquiert de l'expérience. Oui. Ça aussi, ça aide. Ça aide. Alors, d'abord, on va comprendre avec vous la première chose, parce qu'on a un peu parlé avant, pour voir la manière la plus synthétique de suivre ce qui se passe en ce moment en Ukraine, en Russie, et dans toute l'Europe finalement, et dans le monde entier. Et on a essayé de voir comment il serait possible que vous ayez l'ensemble des informations les plus importantes à l'issue de cette rencontre. La guerre en Ukraine, je parle bien la guerre russe, l'invasion russe en Ukraine n'a pas commencé le 24 février de cette année. Non seulement elle n'a pas commencé le 24 février, et il ne s'agit pas seulement de la guerre d'Ukraine. Et qu'est-ce qui se passait avant ? Eh bien, il y a eu 8 années de guerre entre l'Ukraine et la Russie via ses affidés, ses auxiliaires, dans les provinces du Donbass, donc les provinces de Donetsk et de Lugansk. C'est une vraie guerre. Hein. Il y a eu, selon les Nations Unies... 15 000 morts. Oui, enfin, on parle parfois de 15 000. Moi, je m'en tiens à 13 000 et quelques. Ça fait quand même beaucoup de monde. Hein. C'était une guerre autour de territoires grands comme la Belgique. Donc vous pouvez imaginer ce que ça représente, 13 000 morts sur un territoire qui est grand comme la Belgique. C'était déjà pas une petite guerre. Et ça, c'est bien sûr en Ukraine, à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Ceci valant aussi d'ailleurs pour la Crimée, mais dans le cas de la Crimée, il n'y a pas eu besoin de guerre pour que la Russie s'en empare. Et puis en même temps, la guerre actuelle n'est pas simplement ou seulement une guerre de l'Ukraine. Lorsque la Russie entame ses grandes manœuvres militaires, bien sûr, d'abord autour de l'Ukraine... À l'automne, là on est fin octobre, début novembre, voilà. Et il commençait à avoir des déploiements sérieux. Alors c'était pas non plus la première fois, il y avait déjà eu une première alerte au début de 2021, mais celle au début de 2021 n'avait pas franchement inquiété parce que le type d'unité déployée n'était pas... Des unités combattantes et opérationnelles. Voilà, c'est pas celle qu'on aurait utilisée pour faire une invasion. Là, on entrait dans quelque chose de quand même de plus sérieux. Mais ces grandes manœuvres militaires étaient accompagnées à l'époque par de grandes manœuvres diplomatiques. Les grandes manœuvres diplomatiques, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'au mois de décembre,
Les Russes, en l'occurrence Lavrov, en tant que ministre des Affaires étrangères, donc nous sommes il y a presque un an, remettent un mémorandum. Deux projets de traité, c'est des formes de projets de traité qui se présentaient à peu près sous forme d'un ultimatum, c'est-à-dire prendre ou à laisser. Et ces deux projets de traité étaient, leur première curiosité, ils étaient remis aux Américains. Et alors que ces deux traités portaient sur l'ordre de sécurité en Europe. Alors quand la question a été posée aux Russes, mais pourquoi vous remettez ça aux Américains alors qu'il s'agit de l'Europe, la réponse non officielle a été apportée par l'ancien président Medvedev, qui a dit « nous on discute avec le patron, on ne discute pas avec les domestiques ». Alors c'était déjà pas très sympathique. Et ces deux traités visaient à ramener la situation de sécurité en Europe 30 ans en arrière, c'est-à-dire les pays qui avaient librement choisi, après la guerre froide, de rentrer dans l'Alliance Atlantique, n'auraient plus bénéficié des garanties de sécurité correspondantes, et les pays qui voudraient à l'avenir rentrer dans l'Alliance Atlantique, comme la Suède ou la Finlande, on aurait été écarté. Définitivement écarté. Autrement dit, c'était des traités de souveraineté limitée. Imaginez comment vous, en tant que Français, vous réagiriez s'il y avait un mémorandum russe disant que la France était sommée de ne plus l'OTAN. Bénéficier des garanties de sécurité de l'OTAN. Je pense qu'on apprécierait assez mollement ce type d'injonction. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'unanimité des Européens s'est faite au mois de décembre et avant la guerre d'Ukraine. Là, on est deux mois avant la guerre d'Ukraine, et c'est cette unanimité qui comprenait même le dénommé Orban en Hongrie, qui nous cause tant de difficultés, qui nous rançonne à chaque fois qu'il s'agit de prendre une décision entre Européens. Il trouve toujours le moyen d'obtenir de l'argent de la Commission européenne pour prix de son ralliement de dernière minute. Et même celui-là disait, non, franchement, revenir au char de Budapest de 1956, c'est peut-être pas un très bon plan. Et c'est à cause de cet épisode-là que l'on peut dire deux choses. La première, c'est que cette unité, elle va être préparatrice de l'unité qui se produira à plus grande échelle le 24 février, lors de l'invasion russe. Et la deuxième chose que l'on peut dire, hélas, de façon certaine, c'est qu'aux yeux du président Poutine, cette guerre d'Ukraine n'est pas simplement la guerre d'Ukraine, c'est aussi une guerre qui concerne la réorganisation de l'ordre des sécurités en Europe. Pour celles et ceux d'entre vous qui avaient suivi le 7 février la longue présentation et conférence de presse donnée par Poutine et Macron à Moscou, vous vous souviendrez que le premier sujet abordé, ce n'est pas l'Ukraine, ce sont les traités de défense, de sécurité mis sur la table que les Européens étaient sommés d'adopter. C'est de là que l'on est parti. Comment se fait-il qu'on n'ait pas été au courant de ça ? Si, on était parfaitement au courant sur le moment, oui. mais le fracas de la guerre fait passer tout ça assez logiquement et assez légitimement. Je veux dire, là, pour le coup, je ne dirais pas « oui, on n'a pas voulu entendre ». Non, au niveau des gouvernements d'abord, tous les gouvernements, quels qu'ils soient et quelle que soit leur couleur politique, le message était reçu 5 sur 5. Pour ceux qui suivaient l'actualité, la peur de la guerre en Ukraine occupait assez logiquement l'essentiel des écrans et des commentaires des uns et des autres. Puis évidemment, quand la guerre commence, tout le reste passe à l'arrière-plan. Mais pour le président Poutine, tout ça fait partie d'un ensemble cohérent. Certains appelleront ça le néo-impérialisme, d'autres l'appelleront, et ce sera mon cas,
une forme de révisionnisme, comme on employait ce terme pendant les années 20 ou 30 du siècle dernier, et c'est-à-dire la volonté de réviser l'ordre de sécurité dans lequel on opère. Mais oui, mais ce que moi-même je n'avais pas vu à l'époque, c'est que tout le monde était surpris de l'unité européenne lorsqu'il s'agit de prendre des sanctions. Trois jours après, le 24 février, tout le monde a dit, à la surprise générale, l'Europe, c'est pour ça que je vous ai... L'Europe s'est retrouvée unie, ça a surpris tout le monde, y compris les Européens. Alors qu'en fait, cette unité avait été scellée avant. Cette unité a été scellée avant, et on a bénéficié, sans l'avoir cherché, sans l'avoir voulu, d'une sorte d'artefact. Parce que lorsque les sanctions... sont discutées. Elles sont d'abord discutées avant la guerre afin de tenter de dissuader Poutine d'entrer en guerre. Et comme les Européens, pour l'essentiel, ne croyaient pas à la guerre, il était assez facile de mettre les gens d'accord, puisque il n'allait pas y avoir de guerre, n'est-ce pas ? Le président Poutine est suffisamment rationnel, raisonnable, pour savoir qu'il ne peut pas, qu'il ne faut pas envahir l'Ukraine. Donc, c'est pas trop difficile de se mettre d'accord. Et une fois qu'on a dit qu'on était d'accord, il était compliqué de cesser de l'être, et notamment lors de l'invasion elle-même, qui a causé un choc extrêmement fort dans les opinions publiques de nos pays. Et donc, on a quelque part peut-être aussi bénéficié d'une forme de malentendu. De temps en temps, les malentendus sont heureux. Alors, la deuxième chose qui me frappe, François Hesbourg, après ce que vous venez de dire, vous avez eu cette phrase, personne ne croyait vraiment, enfin personne. L'immense majorité des populations et de beaucoup de gouvernements était que Poutine n'oserait pas. Et donc, comment se fait-il, comment expliquez-vous que entre le 24 février et le 28-29, c'est-à-dire la fin de la semaine, comment expliquez-vous que les Ukrainiens aient pu résister à quelque chose qui, de l'autre côté, côté russe, avait été préparé dans des détails, j'imagine qu'ils ont fait quand même un plan, des plans sérieux. Comment se fait-il qu'une armée qui n'avait pas à ce moment-là l'aide matérielle, ni d'hommes, ni d'avions, ni de rien, comment ont-ils pu résister à la première vague qui était censée emporter tout ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Donc je vais commencer par la première, c'est que, comment est-ce qu'on a pu ne pas croire ou croire à la guerre ? Et là, il y a plusieurs réponses. Il y a ceux qui ont cru à la guerre. Il y a les Britanniques, les Américains. Alors, dans le cas des Américains, je crois que c'est assez simple. C'est-à-dire les Américains avaient d'excellents renseignements. Et preuve a été faite que, contrairement à ce qui s'est passé pendant l'affaire irakienne il y a près de 20 ans maintenant, ils ne racontaient pas de bobards. Ça nous changeait, mais il est vrai que l'opinion publique, compte tenu de ce qui s'est passé il y a près de 20 ans, n'était pas spontanément prête à croire les Américains sur parole. Dans beaucoup de pays européens, il y a eu tout simplement le déni parce que ce serait trop affreux. La guerre, c'est quelque chose de trop affreux. C'est très humain, hein. Je veux dire, je ne condamne pas, parce que c'est quand même quelque part inconcevable de se dire qu'il va y avoir la plus importante guerre depuis 1945 en Europe. Et puis, il y a eu les Ukrainiens eux-mêmes, dont le président, mais pas simplement le président, alors, il y a plusieurs versions. Celle que je retiens, c'est qu'ils trouvaient le plan russe, qui était connu dans ses grandes lignes par les Ukrainiens, qui ont eux-mêmes beaucoup de moyens de renseignement. Ils bénéficient du renseignement occidental, mais on n'habite pas impunément à côté de la Grande Russie sans pouvoir en retirer aussi. Surtout quand on a fait partie du même pays. Surtout quand on a fait partie de l'Union soviétique. Et qu'on connaît tous les militaires. Donc il est touché. Et donc la notion en Ukraine, c'était ce plan, il est vraiment débile. Ils ne vont jamais oser faire un truc aussi invraisemblable, aussi baroque. C'est du bluff, c'est une façon de faire
intimider. De faire pression. Ce qui est, la question à laquelle il est presque plus difficile de répondre, c'est comment un certain nombre d'analystes, dont j'étais, pensaient qu'il y aurait la guerre. Pourquoi est-ce que j'ai pensé, moi, qu'il y aurait la guerre? C'est pas parce que j'avais des informations privilégiées, ça c'est les gouvernements, oui. Sont les gouvernements qui ont ça. Non, j'ai prêté une attention particulière à, au propos du président Poutine. Il faut toujours lire les dictateurs. Du temps d'Hitler, il fallait lire Mein Kampf. Là, il fallait lire l'article du président Poutine sur l'unité historique entre les Russes et les Ukrainiens, publié sur son site web, kremlin.ru, en juillet de l'année dernière, qui expliquait en long et en large pourquoi les Ukrainiens, en tant que peuple et en tant qu'État, ça n'existe pas. Et une vision totalement négative, il ne faut pas dire négationniste, de l'Ukraine. Et ça, moi, ça m'interpellait. J'avais assisté en 2007 au discours de Poutine à Munich, où il disait, grosso modo, la Russie est de retour, numérotez vos abattis, qui n'avait pas était généralement interprété comme il aurait dû être interprété. Pour moi, c'était très clair que oui, Poutine, quand il... Un jour ou l'autre. Poutine a été très clair. Il faut prendre au sérieux ce qu'il dit. C'est une proposition généralement exacte. Ça ne veut pas dire qu'il ne mente pas sur des sujets spécifiques. Il peut mentir comme tout autre chef d'État ou de gouvernement. Mais de façon générale, il est plutôt direct. Et en 2014, j'étais à Kiev lorsque il y a eu les petits hommes verts qui ont commencé à s'agiter du côté du Donbass. Et éventuellement, je vous dirai deux ou trois mots sur l'état de la situation à l'époque. Et donc, quand j'ai lu l'article du mois de juillet, je me suis dit, ça, c'est vraiment important. Et donc, j'ai utilisé ça comme mon prisme analytique pour essayer de comprendre pourquoi il faisait ceci ou cela. Et j'étais arrivé à la conclusion au mois de décembre, et j'ai commencé, dans mes interventions, à donner des pourcentages de risque de guerre qui passaient de 10% à 20%, à 30%, et ainsi de suite. Alors, la résistance des Ukrainiens. Alors, les Ukrainiens ne croyaient pas à la grande invasion. Il était très irrité à l'encontre des Américains, Zelensky. Mais deux choses. D'abord, les Américains et les Britanniques, et dans une moindre mesure les Français, avaient commencé à donner des armes aux Ukrainiens, des armes essentiellement anti-chars portatives, surtout les armes anti-chars, un petit peu les armes anti-aériennes portatives. La notion étant que si les Russes devaient entrer en guerre, les Ukrainiens ne pourraient pas résister comme armée régulière et qu'il fallait donc leur donner les moyens de la guérilla. En fait, on donnait des armes pour que les Ukrainiens puissent, le cas échéant, faire une guerre de Vendée. C'était ça l'idée. Et c'était exprimé parfois de façon très claire, notamment par les Américains. Et les Américains donnaient aussi du renseignement concernant des opérations russes envisagées contre les responsables ukrainiens. Politique. Et alors là, les Ukrainiens ont pris l'affaire plus au sérieux et il est arrivé ce que certains d'entre vous ont vu tout à l'heure dans la présentation, qui a été faite ici des combats de Hostomel. Les gardes nationaux, les gardes territoriaux ukrainiens qui ont bloqué les Russes à Hostomel, à l'aéroport des usines Antonov, le 24 février, ces soldats étaient mis là depuis quelques heures seulement. Les Russes ne le savaient visiblement pas. Et c'est dans cette heure-là que la guerre est perdue, du moins la première phase de la guerre, est perdue par la Russie, littéralement. Parce que Kiev n'était pas en état de défense,
L'autoroute, 23 km, ouverte. Était ouverte. Les checkpoints n'étaient pas, pas armés. Les dents de dragon contre les chars n'avaient pas été mis au milieu de la chaussée, et ainsi de suite. Les journalistes avaient pu filmer les images que vous avez pu voir le 24 au matin, des hélicoptères qui arrivaient, et ainsi de suite. Et donc, les renseignements américains, donc visant la prise de contrôle des membres du gouvernement ukrainien, ben cette partie-là du plan russe s'est effondrée la première. Mais il s'en est fallu vraiment de très peu pour que le plan absurde du président Poutine ne marche. Et dans le narratif de la résistance historique, héroïque de l'Ukraine, ce narratif est exact, mais il y a un autre narratif en amont qui est le plan russe était peut-être absurde, mais il a failli marcher. C'est ça, c'est comme ça dans les guerres. Hein, c'est l'imprévu qui vient vous mordre aux fesses au moment où vous vous y attendez le moins. Et dans les heures qui ont suivi l'attaque contre Hostomel, à ce moment-là, le peuple ukrainien s'est littéralement, dans le cas de Kiev, soulevé. Les armes ont été distribuées. Et pourquoi est-ce que ça a marché ? Outre le fait qu'il y avait du renseignement de toutes origines, notamment occidentales, mais ça a marché aussi parce que pendant les 8 années de guerre du Donbass, les jeunes qui faisaient leur service militaire, ils ont connu l'épreuve du feu. 8 années, 400 000 jeunes avaient appris le métier des armes à la dure face à un ennemi qui leur tirait vraiment dessus. Et bien ces 400 000-là, ils étaient immédiatement disponibles et évidemment prêts à se battre pour leur pays. C'est ça le point de départ de la résistance héroïque et victorieuse du peuple et de l'armée ukrainienne. Alors, maintenant, donc, on a assisté depuis à d'autres phases, on va dire, de la guerre, notamment dans le nord-ouest, Kharkiv, etc., et puis la chute de Kherson. Et tout le monde dit maintenant, comme si c'était une vérité d'évidence, assez facile, ben, ils ont gagné sur deux fronts très différents. Ils ont regagné une dizaine de milliers de kilomètres carrés, plus, un peu plus, mais 20 000 kilomètres carrés en tous, dans les deux phases. Et l'armée russe est démoralisée, pas motivée. La victoire ukrainienne est une question de mois ou de temps. Quel est votre, d'après ce que vous savez, les hypothèses possibles des prochaines semaines et mois? Voilà, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle et incertitude. Bonne nouvelle, et si on compte les territoires qui ont été pris par les Russes au début de la guerre, notamment autour de Kiev, dans le nord de l'Ukraine et ainsi de suite, c'est pratiquement la moitié des territoires envahis qui a été libérée. La moitié, 80 000 km² sur 160 000 km², ça fait beaucoup. Si on extrapole ce que je me garderais de faire de façon sérieuse, mais simplement de façon illustrative, si on extrapole, ça voudrait dire que l'année prochaine, à cette époque-ci, l'Ukraine aurait recouvré l'ensemble des territoires perdus. C'est la guerre, c'est incertain, on ne sait pas comment ça va se passer. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et les Ukrainiens ont, depuis la mi-juillet, grosso modo, l'initiative opérationnelle sur maintenant tous les fronts. Et ça, c'est évidemment une très bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, bien entendu, c'est que la Russie a 3 fois plus de population, des moyens militaires et militaro-industriels très, très, très importants qui peuvent être, le cas échéant, mobilisés. Le nombre, dans la guerre, le nombre, ça compte. Hein. C'est Napoléon qui disait que la victoire allait au gros bataillon. Napoléon exagérait un petit peu parce qu'il a souvent vaincu en situation d'infériorité relative, numérique. Le talent, ça aide. Et les Ukrainiens ont du talent. Je n'allais pas dire qu'ils sont napoléoniens, mais la qualité militaire des offensives de l'automne de cette année dans la région de Kharkiv
C'est remarquable. Les écoles de guerre dans le monde entier étudieront ces contre-offensives au même titre qu'on regarde Guderian à Sedan ou Ariel Sharon sur le canal de Suez ou que sais-je. Donc ils savent vraiment faire la guerre, les Ukrainiens. Mais mauvaise nouvelle, effectivement, que ce risque que la disproportion des forces ne se remette à jouer, qu'au printemps, la Russie se soit refaite une santé militaire, le cas échéant avec un chef qui est suffisamment talentueux et suffisamment libre de ses mouvements par rapport à Poutine pour pouvoir réaliser cet exploit. Et l'incertitude, c'est l'hiver. On en parle beaucoup dans les journaux, d'ailleurs à juste titre. Et un hiver froid est plutôt bon pour la mobilité des forces, donc pour une éventuelle offensive ou des contre-offensives ukrainiennes dans les mois qui viennent. Un hiver froid serait plutôt un atout parce que on roule sur des fleuves gelés, il n'y a pas de boue, on n'est pas aspiré par ce que les Russes appellent la Rasputitsa, mais un autre mot qui est plus coloré, si j'ose dire, qui est la Merzlota. je crois qu'il n'y a pas besoin de traduire. Mais on ne sait pas comment. Pour les civils, évidemment, c'est le contraire. Ben oui, les civils dans le grand froid, c'est quand même pas absolument, formidable. Mais tout ceci pour dire que le sort des armes n'a pas encore dit de très loin son dernier mot. Hein. Alors, vous disiez tout à l'heure, évidemment, la guerre d'Ukraine ne s'arrête pas à l'Ukraine. Ça, on a bien. Notamment la semaine dernière, lorsque un obus est arrivé en Pologne, tuant deux Polonais, et on a bien compris à ce moment-là combien la situation en Pologne pouvait connaître des accidents, volontaires ou involontaires, mais qu'il était possible, imaginable et peut-être probable que un accident puisse impliquer directement d'autres puissances qui, pour le moment, aident sans participer. Alors, pour autant qu'on sache, le missile qui est tombé en Pologne, un, ce n'était pas intentionnel, et deux, était probablement ukrainien. Un missile de défense antiaérienne qui est allé plus loin, que prévu. Il y avait déjà eu quelques jours avant une situation similaire avec. Alors là, pour le coup, c'était un missile russe qui était tombé en Moldavie parce qu'il avait été intercepté par un missile. Les débris sont tombés en Moldavie. Dans un cas comme dans l'autre, là, on était littéralement dans les hasards de la guerre. Par contre, ce qui ne relève pas des hasards de la guerre, c'est l'éventuelle volonté et, en tout état de cause, la capacité de la Russie à, comment dire, élargir le champ de la lutte. Et puisque la Russie estime qu'elle est en guerre avec ce qu'elle appelle, avec une très jolie expression, elle parle de l'Occident collectif. Voilà, moi, j'aime bien cette expression, la notion que les pays qui partagent les mêmes idéaux et les mêmes pratiques en matière de démocratie soient considérés comme formant un tout. Je trouve ça plutôt valorisant. Donc, je reprends volontiers cette expression à mon compte. Mais donc, nous sommes prévenus, nous faisons partie de l'Occident collectif. Donc, il peut nous arriver, nous aussi, des bricoles. Alors, quelles peuvent être ces bricoles? Alors, au mois d'avril, on craignait beaucoup que les Russes foutent un peu la zizanie, pour employer un mot poli, dans les Balkans. Et oui, il y a eu des signes d'ailleurs. Il y avait des signes très clairs. Serbie. À la Republika Srpska en Bosnie, où on voyait parfois à la télévision chez nous les images des éventuels sécessionnistes de la Republika Srpska, des manifestations pro-Poutine importantes en Serbie, et ainsi de suite.
Rien de tout ça n'a marché. L'Union européenne a agi de façon préventive au plan politique et économique en Bosnie. Les pays de la région ont fermé leur espace aérien de telle sorte que les responsables russes, notamment Lavrov, ne pouvaient même pas atterrir à Belgrade pour essayer de chauffer leurs amis locaux. Donc ça a basiquement foiré. Et là, on a quelques signaux. Il y a la coupure des gazoducs sous la Baltique. Alors, vous savez, les enquêtes techniques, ça prend toujours du temps. Mais on finit à peu près toujours par savoir d'où ça vient. Et disons que dans l'état actuel des investigations suédoises, on sait qu'il s'agissait d'actes de sabotage délibéré, on sait quel a été le mode opératoire, et je ne doute pas un instant que l'on remontera à l'origine à travers ce qu'on appelle le traçage des bateaux sombres. C'est une très jolie expression. Les bateaux sombres, ce sont ceux qui coupent leurs moyens d'identification, leurs transpondeurs. C'est un peu comme les avions. Mais bien sûr, ces bateaux peuvent couper leurs transpondeurs, mais il n'en existe pas moins. Et il y a des satellites là-haut qui peuvent reconstituer les parcours, les trajets des uns et des autres. Si j'étais à la place du président Poutine en ce moment précis, c'est typiquement le genre de choses qui m'intéresserait. Les plateformes de forage en mer du Nord ou en mer de Norvège, ça c'est pas mal non plus. Les Norvégiens sont très inquiets. Autre inquiétude, les Britanniques, eux, viennent de renforcer leurs moyens de lutte contre les câbles transatlantiques. Souvenez, pendant la pandémie, on travaillait tous, pour ceux qui étaient dans des métiers qui le permettaient, on essayait de travailler autant que possible à domicile. Ça supposait Zoom, Teams et compagnie. Ça implique beaucoup de transferts de données. Ces données transitent à 95% par des câbles sous-marins. Et vous coupez ces câbles, vous détruisez l'économie en ligne. Sans cette économie en ligne, pendant la pandémie, les dégâts auraient été beaucoup plus importants. Et c'est faisable, il y a eu des alertes, y compris une près de Marseille, il y a 3 semaines environ. On ne sait pas, à ma connaissance en tout cas, si c'était les Russes ou pas, ou si c'était un acte de malveillance par des gens qui étaient à la recherche de sensations fortes. Ou de chantage. Ou éventuellement de chantage. Oui, mais c'est les hackers. Ça, c'est la cybercriminalité. Celle-là, évidemment, ne s'est jamais arrêtée. Et un des paradoxes de cette guerre, d'ailleurs, c'est qu'elle a plutôt moins figuré dans la guerre qu'on ne le pensait au départ. Avec là aussi une situation à rebours de beaucoup des analyses, c'est-à-dire les Ukrainiens ont été bien meilleurs dans le domaine vis-à-vis de la Russie que la Russie par rapport aux Ukrainiens. Donc vous vous mettez pour un instant à la place du président Poutine, pas trop longtemps quand même, et vous vous dites, j'ai pu faire peur avec ma bombe atomique, mais franchement, ce n'est pas un bon plan que de vouloir utiliser une bombe atomique, parce que Dieu sait quelles vont être les conséquences diplomatiques, politiques, stratégiques, économiques, et ainsi de suite. Donc, il vaut mieux pas que je le fasse. En même temps, mon armée, elle est clouée en Ukraine pendant 3-4 mois. Elle ne va pas pouvoir montrer quoi que ce soit, sauf éventuellement une capacité de résistance limitée par rapport aux Ukrainiens. Donc, il faut que je m'occupe et que j'occupe le terrain autrement. Ça, c'est typiquement ce genre de choses, ou des attaques ciblées contre tel ou tel satellite de surveillance, de communication, sur lesquels repose en partie la défense
de l'Ukraine. Donc, ne soyez pas forcément surpris si dans les mois qui viennent, on a ce genre d'extension du conflit dans des domaines qui ne passent pas par des déclarations de guerre, qui ne causent pas directement de mort. C'est la poursuite de la guerre par d'autres moyens, si je puis dire. Alors, il y a quelque chose qui surprend dans les explications venues de Moscou sur les raisons de la guerre, ou sur les adversaires de Moscou dans cette affaire, c'est qu'au début, il s'agissait de débarrasser, je les cite, l'Ukraine du régime nazi en place. Et puis, on a vu une évolution, on en parle un peu moins en ce moment, de temps en temps, ça ressort, mais maintenant, donc, l'explication qui est donnée, c'est que les difficultés sur le terrain sont dues au fait que l'Occident aide énormément l'Ukraine, qu'elle fournit des armes que tout le monde reconnaît supérieures à celles qui sont utilisées par les Russes en ce moment. Et on sent monter une musique qui n'existait pas au début, c'est nous sommes en Russie en ce moment en lutte contre le satanisme, ouais. Contre quelque chose qui touche au religieux, à la société. Nous sommes des résistants devant un délabrement de l'Occident. Ça, pourquoi ce changement d'objectif, j'allais dire, désignation. Ce sont des variations sur un thème. C'est la même musique, mais avec une. Oui. On passe d'une musique. Des couplets différents. On passe de. Je ne sais pas, d'un jazz un peu freestyle à du baroque hardcore. Et qu'est-ce que j'appelle le jazz freestyle? C'est par exemple dans à la veille de la guerre, de l'invasion, président Poutine fait une longue explication à la télévision, dont vous avez pu entendre à l'époque la traduction en français, où il explique que le régime ukrainien, et notamment le président Zelensky, c'est quoi? C'est des nazis, bien sûr, à la solde des Américains, des mafieux, et des drogués et bien sûr des déviants sexuels. Ça, 5 qualificatifs dans une seule phrase. C'est pas mal, hein. Faut le faire. Ensuite, on est passé effectivement à une dénonciation de l'Occident collectif quand les choses ont commencé à devenir un peu difficiles en Ukraine. J'ajoute que ça a une utilité politique, et y compris en politique internationale, qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire Poutine, être battu par les Ukrainiens, c'est vraiment humiliant. Parce que les Ukrainiens, ils n'existent pas. Alors être battu par des gens qui n'ont pas d'existence, ou qui, s'ils en ont une, ils ont les 5 caractéristiques que je viens d'énumérer, c'est pas supportable et c'est pas discible. Mais être battu par l'Occident collectif, ça, c'est politiquement beaucoup plus acceptable. Vous pouvez expliquer à votre population que vous avez été battu par un ennemi plus fort. 35 pays. 50 pays alliés, ça fait quand même beaucoup. Et donc, personnellement, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il ne faut pas décourager ce narratif. Parce que... ça sauve la face. Le président Macron dit il ne faut pas humilier Poutine, il ne faut pas humilier Poutine. Bon, c'était pas très gentil pour les Russes, ce qu'il disait là, parce qu'il disait grosso modo, c'est grâce à la France que vous ne serez pas humilié. C'est un petit peu humiliant, hein, pour une grande puissance de s'entendre dire que c'est la petite France qui va les sauver de l'humiliation. Mais quelque part, il y avait un élément dans ce verbiage qui méritait d'être retenu. Pour Poutine, il est moins humiliant d'être battu par l'Occident collectif que d'être battu par des sous-hommes. Et puis, on arrive au satanisme. Satanisme, c'est à partir du mois de septembre. C'est Poutine lui-même qui évoque ce thème, et il est repris à peu près de façon très régulière dans les grandes émissions où on voit M. Soloviov, Mme Simonian et ainsi de suite, et qui donnent leur version des événements tous les soirs à la télévision russe, des télévisions d'État. Là, on reprend le satanisme. Alors, c'est quoi ce satanisme? Bien sûr, à un certain niveau, ça veut faire plaisir à l'Église orthodoxe et au patriarche Cyril.
Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous tous ici, nous sommes des êtres diaboliques. Il faut le savoir. Hein. Les hommes ne savent pas s'ils sont des hommes. Les femmes ne savent pas si elles sont des femmes. Tout le monde est un peu trans, bi, LGBTQ. Ça provoque de façon tout à fait normale les rires et les sourires. Mais c'est très sérieux. Pour le président Poutine, c'est très très sérieux. Mais on le voit à la tribune, dans la télévision, dire plusieurs dizaines de fois qui veut introduire dans notre pays cette bande d'occidentaux complètement dégénérés. Nous sommes des dégénérés. Et lorsque vous partez de ce type de principe, évidemment, vous vous exposez à des déconvenues, parce que de fait, nous avons probablement plein de défauts, mais on ne sont pas, peut-être pas tout à fait ceux qu'imagine le président Poutine et n'ont sûrement pas la portée que leur confère le président Poutine. Non, mais il sait que ce n'est pas vrai, lui, mais il l'utilise, c'est une utilisation. Mais non, mais détrompez-vous. Le président Poutine croit fermement, et c'était ça le sens de son article du mois de juillet de l'année dernière, il croit fermement et que l'Ukraine est née russe il y a 12 siècles, et que donc elle n'a jamais cessé d'être intrinsèquement, identitairement russe. Et ceci jusque dans la nuit des temps. Il le croit, les idéologues croient à leur idéologie. Et oui, mais c'est que l'Occident n'est pas une bande de dégénérés. Bien sûr que si, nous sommes une bande de dégénérés. D'ailleurs, vous allez en Pologne, vous entendez aussi ce genre de verbiage. Et chez Poutine, c'est poussé à des extrêmes belliqueux et dangereux. Vous prenez, par exemple, la popularité réelle ou supposée, mais souvent réelle, de Poutine en Afrique. Vous avez vu les images, les gens qui brandissent le drapeau, le tricolore russe, au Burkina Faso, ou que sais-je. Alors, une partie de ça est liée à un narratif russe sur la nourriture, sur la colonisation, bien sûr, mais une partie aussi fait appel au refus d'un Occident qui a, sur les questions de genre et de sexualité, une approche très différente des églises, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, extrêmement conservatrices d'Afrique. Ça a aussi cette dimension-là. Je ne partirai pas du principe que Poutine n'y croit pas. Écoutez, dans le temps de paix, il passait quand même beaucoup de temps à exhiber ses pectoraux. Hein. Moi, mais pourquoi tous les dirigeants russes ont leurs enfants en Europe ? Ah, parce que... Dans ce pays dégénéré, pourquoi il faut s'occuper de ses enfants, c'est bien connu. Non, mais sérieusement... Tous les dirigeants russes... Non, bien sûr, ils mettent leur argent à l'étranger. Non, ils mais leurs enfants. Enfants. Ils mettent leurs enfants dans l'Occident dégénéré et ainsi de suite. Mais politiquement et je pense humainement, Poutine y croit. Il veut un monde où les hommes sont tous des types incroyablement virils et des femmes incroyablement belles et soumises. Et bien entendu, soumises. Ah oui, ça c'est pas. Sinon, le monde russe serait mal fait. Donc, c'est probablement le premier conflit important où on a cette dimension qui joue un rôle opératoire. Dans la propagande et dans la motivation des populations. Il y avait un peu ça en 1933 en Allemagne, la race supérieure et les autres. Ah, étaient... non, mais là... Non oui, bien sûr, mais c'est un autre registre. Vous avez Il y avait ça qui avait... Non, ça. Vous avez un registre, bien sûr, la haine de l'antisémitisme, sûr, l'antisémitisme... Et les sous-hommes, et les dégénérés. Les handicapés, et ainsi de suite, et les artistes, les artistes dégénérés, dégénérés. Parce que c'est l'expression qui était employée par les nazis. Alors ça, vous trouvez
un équivalent, vous retrouvez un équivalent de ça en Russie, à savoir que si vous parlez russe, vous êtes russe. Et que ce n'est pas une question de choix. Si vous êtes alsacien et que vous parlez allemand, ça ne fait pas de vous un allemand. Moi, je suis à moitié luxembourgeois, on y parle français, allemand, et Lettzebuesch, la langue locale. À part la langue locale, les langues ne sont pas des marqueurs identitaires. Pour la Russie, c'est le marqueur identitaire numéro un. Et c'est là aussi une des sources de l'échec de la Russie en Ukraine, parce qu'effectivement, beaucoup d'Ukrainiens parlent le russe. Le président Zelensky est né d'une famille russophone, de père et de mère, dans une ville qui s'appelle Kryvyi Rih, une ville de la métallurgie parfaitement soviétique, où l'on parlait essentiellement le russe. Et en plus, le type, il est juif. Et ses deux parents étaient juifs. Donc il a seulement eu 73% des voix aux élections présidentielles, dans un pays dont la propagande russe nous explique qu'il est profondément antisémite et néo-nazi, et par ailleurs, d'un pays immensément russophobe, ceci venant de la part d'un président qui parle l'ukrainien de façon parfois un peu approximative. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Alors, j'ai dit que vous saviez plus que d'autres et qu'en général, ceux qui savent plus que d'autres ne parlent pas. Mais je vais quand même vous demander, pas de nous d'être prophète, ça c'est pas intéressant. Chacun peut avoir sa prophétie, ça, c'est une chose, mais de tous les éléments que vous connaissez de ce conflit, il y a deux thèses qui sont en train en ce moment de s'opposer en général. C'est Poutine n'accepte, peut pas accepter la défaite ontologiquement. Il est impossible pour le président Poutine d'accepter que la Russie soit défaite en Ukraine. C'est impossible parce que ça met en cause toute la construction qui s'est faite depuis des dizaines d'années. Un. Deux, de l'autre côté, vous avez une partie de l'opinion, des gouvernements qui pensent que l'Ukraine, qui a eu l'initiative militaire, ne peut pas accepter une seconde de parler avec quelqu'un comme Poutine, dont ontologiquement il est persuadé que l'Ukraine n'existe pas, et qu'il faut continuer la guerre, poursuivre la guerre jusqu'au maximum, jusqu'à, finalement, au bout du compte, l'écroulement du régime. Dans ces deux possibilités qui sont complètement différentes, qui, normalement, d'après ce que vous savez, a des chances de l'emporter? Oui, alors ça, ce n'est pas une question de savoir quelque chose qui serait secret. Non, c'est une question des éléments. Oui, absolument. Voilà. Quel est mon... Alors là, voilà. C'est une question de jugement. Hein. Voilà, de jugement. Alors, le jugement est le suivant. Et être battu par l'Occident collectif est politiquement acceptable pour Poutine. Ce ne serait pas formidable pour lui. Mais il peut dire, oui, c'est les Occidentaux. On peut sauver son régime sur ce thème. Ah, alors attendez. Et son pouvoir. Pardon. Vous passez à une autre question qui est celle de l'avenir du régime. Mais l'incapacité ontologique que vous évoquez, elle n'existe pas. C'est ça que je suis en train de dire. Il peut effectivement faire un virage sur l'aile en expliquant, voilà, on a été battu par l'Occident. Par 50 pays. Et nous allons nous refaire une santé et on remettra ça à la première occasion. Donc on fait un armistice, et on revient aux lignes du 24 février, admettons, et dans 10 ans, on recommence. Et du côté ukrainien, c'est plus compliqué, parce que la guerre se passe uniquement en Ukraine. Le cinquième du territoire, à un moment donné, était... occupé, ça fait beaucoup. Le Donbass, c'est grand comme la Belgique. La Crimée, c'est grand comme la Belgique. Le sud de l'Ukraine, occupé, c'est deux fois les Pays-Bas. Ça fait quand même beaucoup, tout ça. Et dizaines de milliers de morts. Et aujourd'hui, des dizaines de milliers de morts. Un pays détruit. Et un pays qui ne pourra pas se relever en étant fragmenté de cette façon. Cela étant dit,
au mois de mars, il y a eu des pourparlers. Vous vous souvenez, à la télévision, oublie si vite. À Istanbul. À Antalya. Oui, Antalya, en Turquie. Les Turcs avaient fait les médiateurs. Les uns et les autres avaient fait des propositions. Et puis, ça avait tourné en autre boudin. Donc, la notion qu'il puisse y avoir des discussions n'est pas du tout folle. La notion que ces deux discussions, que ces discussions puissent aboutir est très très loin du raisonnable. Mon propre sentiment, c'est qu'il y a deux possibilités. La première, c'est une paix très provisoire, où le Russe reprend les armes très vite, et, voire même ne les lâche pas. Parce que dans le cas de Poutine, on parle toujours de conflits gelés de Géorgie, conflits gelés de Moldavie, un autre conflit gelé qui n'est pas entièrement de son fait, mais où la Russie joue un rôle, celui de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, et bien sûr le conflit supposé gelé en Ukraine pendant la guerre du Donbass. Dans tous ces conflits, la guerre continue. À des niveaux plus ou moins élevés, très bas. Basse tension. Voilà. Donc, quand on parle tout le temps des accords de Minsk, que les uns et les autres n'auraient pas respectés, etc., tout ça se passait alors même que les canons tiraient. Donc, évidemment, avoir une guerre avec des pourparlers, c'est une chose un peu étrange. Et que les Russes acceptent assez volontiers, mais dont je ne pense pas qu'on puisse obliger les Ukrainiens à l'accepter. Alors il y a cette possibilité-là, où il y a la possibilité, mais probablement à plus long terme, c'est l'effondrement de l'un ou l'autre gouvernement. Et au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt celui du président Poutine qui serait vulnérable que celui du président Zelensky. Le fait de savoir que vous n'existez pas motive beaucoup plus que le fait de savoir que vous avez été ramassé au coin de la rue par les agents recruteurs et envoyé après trois jours d'apprentissage au tir à la Kalachnikov, envoyé directement sur le front. Et ce n'est pas une image, puisque et M. Shoigu, le général Shoigu, et le président Poutine ont évoqué le fait que, dans le cas de Poutine, je crois que c'était 40 000 soldats mobilisés avaient déjà été envoyés sur le front, et pour Shoigu, le chiffre était autour de 70 000. Je ne sais pas lequel dit vrai ou quelles étaient leurs définitions respectives, mais le fait est qu'on envoie très facilement la chair à canon sur le front. Les pertes russes à la fin octobre et début novembre étaient absolument terrifiante, à la fois du côté des Wagneriens, c'est pas des musiciens, les Wagneriens, encore que le terme de Wagner avait été adopté par M. Prigogine, le patron de Wagner, parce que c'était un amateur de Wagner. Hein. Donc ces musiciens d'un genre un peu particulier sont en train de se faire étrier du côté du Donbass, mais aussi beaucoup de mobilisés subissent les pires horreurs sur le front. Est-ce qu'il peut sortir de cette guerre, qu'elle finisse de la première façon ou de la deuxième, est-ce qu'il peut sortir de là que la Russie, plus grand pays du monde en géographie, accepte d'arrêter de penser à conquérir de nouveaux territoires et d'imposer son régime? Je ferai une réponse indirecte. L'Europe a été longtemps un continent d'empire. Empire portugais, empire français, empire espagnol, empire britannique, empire belge, empire néerlandais, et ainsi de suite. Nous avons tous, et bien tous les pays que je viens d'énumérer, j'ai oublié l'Italie, on a tous très mal vécu la fin d'Empire. Ça a toujours été très difficile. Le général de Gaulle a fait le choix, en 1962, de choix clair, on choisit de vivre dans le monde européen, on ne choisit pas de vivre en opprimant un peuple qui était en lutte pour son indépendance. Très difficile. Tous les pays qui ont fait ce choix de sortir de l'Empire
s'en porte plutôt mieux. La Russie n'a pas pris sa décision de sortir de l'Empire. Donc en fait, la question que vous posez, c'est de savoir, est-ce que la Russie est prête à sortir d'un rêve d'Empire? Il ne peut pas y avoir de rêve d'Empire pour la Russie si l'Ukraine est indépendante. Et à l'inverse, il ne peut pas y avoir une Russie sans Empire si elle mange l'Ukraine. Alors, c'est ça qui est en train de se jouer. La société russe n'en est pas encore à faire ce choix. Je ne sais pas d'où sortira le De Gaulle russe, d'où sortira la révolution des œillets, prendre le Portugal, en 1974, et ainsi de suite. Et j'étends juste, et on finit là-dessus, est-ce que ce rêve d'empire existe chez Erdogan à Istanbul, et est-ce qu'il existe chez le Chinois, Xi Jinping? Chez Erdogan, je ne pense pas qu'il y ait un rêve d'empire, c'est-à-dire de reconstitution de l'empire ottoman, ce qui se ferait évidemment aux dépens d'un grand nombre de populations, notamment arabes. Je ne pense pas spécialement aux Arméniens, qui sont évidemment très vulnérables et dont il faut s'occuper. Moi, j'applaudis des deux mains quand il s'agit de défendre l'Arménie. Mais il ne s'agit pas que, ou même du point de vue turc, principalement de l'Arménie. Je ne pense pas qu'il ait ce rêve-là, qu'il ait le rêve de faire de la Turquie une grande puissance politique, politique et militaire. Et militaire. Ah oui, ça, oui. Quant à la Chine est un empire. Et en tant qu'empire, elle est ontologiquement, pour prendre votre expression, défensive. Elle n'a pas un empire à gagner, elle a un empire à préserver. Alors, quant à savoir quels sont ses rêves de superpuissance, là, on n'est plus dans l'empire. Là, on est dans autre chose. On est dans la compétition avec la superpuissance américaine, c'est-à-dire deux puissances mondiales, avec des objectifs idéologiques et stratégiques qui sont mondiaux. François Hesbourg, une heure, et je ne connais pas grand monde qui puisse être capable de faire ce que vous venez de faire, c'est-à-dire de nous faire comprendre les enjeux à tous les étages de ce qui est en train de se passer. Vous n'avez jamais fait des prévisions ceci ou cela, vous êtes resté sur les choses que vous connaissez et dont vous avez déduit les conséquences logiques. Tout peut arriver puisque le monde n'est pas toujours logique. La passion peut toujours détruire le plus juste des raisonnements logiques. Les passions et les idéologies. L'idéologie dans les affaires internationales est quelque chose d'extrêmement puissant et extrêmement délicat à manier. S'il s'agit de notre idéologie, parce que la démocratie est pas simplement une valeur, c'est aussi une idéologie. Il faut faire très attention à la façon dont on la gère. Il ne faut pas la galvauder, il ne faut pas l'invoquer à tort ou à travers. Il faut le faire avec une prudence stratégique. Il ne faut pas, par exemple, dire on va introduire la démocratie en Irak. On ne va pas envahir l'Irak pour leur apporter les bienfaits de la démocratie. C'est l'exemple, l'archétype de ce qu'il ne faut pas faire. Mais l'idéologie autoritaire de Poutine, l'idéologie communiste de la Chine, l'idéologie néo-ottomane religieuse aussi de la Turquie, ça fait des lendemains qui ne chantent pas. Merci d'avoir été avec nous, François Hesbourg. Merci beaucoup. Merci.